On a beau tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner aux Antilles, les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leur maître provisoire mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. C'est dans Discours sur le colonialisme, écrit par Aimé Césaire en 1950. Ça n'est pas un propos prémonitoire, hein, puisqu'en 1950, une partie des empires coloniaux commence à se démanteler. L'Inde, par exemple, a accédé à l'indépendance. C'est un propos clairvoyant, une analyse politique, une capacité de projection. Mais c'est un propos dont la froideur me paraît terrifiante, parce qu'elle est paisible, parce qu'elle sait, elle a la certitude de l'avenir. Nous ne sommes pas encore dans la décennie de la dernière grande vague des indépendances, mais il y a là, dans cette phrase, une certitude de l'avenir. Dans ce même discours sur le colonialisme, quelques phrases plus avant, Aimé Césaire affirme qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation décadente. Ces deux assertions vont nous montrer, chemin faisant, comment nous pouvons penser l'inversion en matière de réparation. L'inversion dans l'évidence de la force physique, de la force matérielle, mais d'une faiblesse intrinsèque, et d'autre part, de cette faiblesse apparente, mais d'une force qui va démontrer la capacité de survie. C'est donc une inversion qui va nous accompagner pendant ce moment où je vous propose de partager une réflexion sur la réparation telle que l'a prévu cet atelier. Et mon titre, s'il est affiché, il ne l'est pas, est « Qui répare qui ?» Et je propose de réfléchir du droit à la philosophie. Je dis bien « Qui répare qui ?» Je ne dis pas « Qui répare quoi ?» Je dis bien « Qui répare qui ?» Et j'y mets un point d'interrogation. C'est-à-dire que j'affirme et j'affiche que ce qui paraît une évidence peut être absolument une contre-évidence. Qui répare qui pour la résilience et la dévulnérabilisation, nous verrons là aussi, chemin faisant, comment les choses s'installent. Le sujet sur lequel je vous propose donc ce partage de réflexion est, de mon point de vue, une évidence pour le coup, manifeste, la traite négrière et l'esclavage. Pourquoi ? D'abord, pour le lieu. Nous sommes sur le continent africain. Je viens de la France, vous le savez. Je vous raconterai la suite tout à l'heure. Et la France est le seul pays d'Europe à avoir reconnu la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cela remonte, vous le savez, à 2001. 2 ans et demi de débats parlementaires. Donc une première lecture en 1999, en janvier 1999. Ensuite, parce que nous sommes ici au Sénégal, qui est le seul pays d'Afrique, pour l'instant, à avoir reconnu la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Entre les deux, il s'est passé un sommet de l'Organisation des Nations Unies à Durban, en Afrique du Sud, au terme duquel la déclaration finale pose que la traite négrière et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité. Disposition arrachée à l'extrême terme de ce sommet, parce que des discussions, des disputes ont eu lieu tout le long de la semaine du sommet sur la question des réparations. Donc, le lieu d'abord. Ensuite, parce que sur cette tragédie longue, terrible, il y a un déni qui est extrêmement riche d'enseignements. C'est le seul crime contre l'humanité
reconnue de façon très formelle, législative, par la France, par le Sénégal, reconnue de façon juste formelle par, disons, l'ensemble de la communauté internationale. C'est le seul crime contre l'humanité auquel on ne reconnaît pas le principe même de la réparation. Alors que, hélas, l'histoire humaine est telle que nous avons malheureusement d'autres tragédies. Et la question de la réparation a toujours été présente face aux crimes de guerre, face aux massacres, face aux génocides, face aux crimes contre l'humanité. La question de la réparation était présente en 1804 à Haïti, lorsque les Haïtiens, dès 1791, par une insurrection, se sont libérés du système esclavagiste. Puis, en 1804, parce qu'il a fallu se battre contre le rétablissement par Bonaparte de l'esclavage en 1802, en 1804, il proclame l'indépendance, la question de la réparation se pose. Alors, de façon très, très étonnante, puisque l'Haïtien la pose, mais la France monarchique la pose, la question de la réparation, mais tenez-vous bien, pour elle-même, pour les colons. Et elle va imposer à la jeune République une rançon d'indépendance. Elle va le faire avec quelques arguments convaincants, puisque normalement, notamment, elle va installer une flottille au large de Port-au-Prince. En 1848, deuxième abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, la question de la réparation est également posée. Elle est posée par Victor Schœlcher, qui porte le décret d'abolition. Mais la réparation qui sera effective sera celle qui dédommagera les colons. Vous n'avez qu'à me donner des micros qui marchent. On vient de le faire. Aux États-Unis, en 1865, abolition de l'esclavage, 13e amendement, la question de la réparation est posée. Elle est même posée avant, puisque le général Sherman, vous le savez, a octroyé des terres à des esclaves, et c'est le président Johnson qui va reprendre cette terre aux esclaves. Donc le général Sherman avait exproprié des colons, des maîtres, et avait octroyé les terres aux esclaves. La question de la réparation se pose avec 40 acres et une mule. Même si, dans la réalité, les choses ne sont pas mises en place. La question de la réparation accompagne tous les massacres, tous les génocides, tous les crimes contre l'humanité, contre tous les crimes de guerre. Entre les Alliés et l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Entre l'Allemagne et Israël après la Deuxième Guerre mondiale. Entre les États-Unis et ses citoyens japonais, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Entre le Japon et la Corée. C'est le premier signe de dignité après l'indignité suprême d'un crime de guerre, d'un génocide, d'un massacre, d'un crime contre l'humanité. Le premier geste, le premier signe de dignité, c'est de poser le principe déjà de la réparation. Et pour la traite négrière et l'esclavage qui dure 4 siècles et demi, le principe même de la réparation est contesté aujourd'hui encore. Il est important de savoir ce que signifie ce refus, ne serait-ce que de débattre de la question de la réparation. Et nous voyons très vite les enjeux. Mais nous savons que le sujet est inépuisable. Il est inépuisable parce que il est porté par une contradiction majeure, qui est la contradiction la plus féconde que l'on puisse envisager. À savoir que le crime est irréparable. La seule réparation possible exige une temporalité. Et cette temporalité,
C'était le moment même. Le moment même de l'exécution du crime, de l'accomplissement du crime. C'est-à-dire que la seule réparation possible est celle que les personnes captives et mises en esclavage ont assurée. C'est-à-dire le fait d'avoir montré constamment, en toutes circonstances, leur humanité. Le fait d'être des choses, d'être des marchandises, d'être proclamés meubles dans les textes de loi, dans des codes de droit qui contenaient du non-droit. Malgré tout cela, de démontrer au quotidien leur humanité. Et dans tous les gestes, dans le travail, dans l'ingéniosité même parfois au travail, dans la résistance, dans la révolte, dans l'incendie des plantations, dans l'empoisonnement du bétail, dans toutes les formes de vie au quotidien, et bien entendu, dans tout ce qu'elles et ils ont inventé pour rendre le temps supportable, pour rendre la vie un petit peu joyeuse quand même. La musique, les expressions, les histoires, les inventions, les légendes, tout ce qu'elles et ils ont inventé. C'est la seule réparation possible et concevable. Et elle a été mise en place, elle a été réalisée, elle a été pensée, elle a été vécue par celles et ceux même qui subissaient le crime. Le crime est donc irréparable, sauf de cette réparation-là. Et pourtant, je proclame pour ma part que le droit à réparation demeure. Il demeure, et il est une créance infinie sur l'humanité tout entière. Comme les génocides amérindiens sont une créance infinie sur l'humanité tout entière. Et cette créance, elle nous oblige. Elle nous oblige. Et nous conduit à nous demander qui répare qui. La traite négrière, l'esclavage, c'est un système que nous n'allons pas décrire ici. Il est extraordinairement documenté par d'excellents historiens, économistes, philosophes, etc. C'est du brigandage d'État, officiel, institutionnel. Mais face à ce système, il y a eu des trajectoires individuelles, des vies individuelles, des petites vies, comme on dit, des vies minuscules, mais grandioses. Il y a pour cela foison d'autobiographies qui nous rappellent ce qu'ont été les vies de Frédéric Douglass, par exemple, ou ces témoignages recueillis par Zora Neale Hurston. C'est que Joe Lewis qui s'appelait. Et puis il y en a d'autres, évidemment, Lauda et Piano, il y a Mary Prince. Il y a ces trajectoires individuelles, mais ces millions de vies individuelles qui ont été vécues avec des larmes, du désespoir, dans un système qui inversait les choses au point tel que le plus grand et le plus beau geste d'amour consistait parfois à tuer ses propres enfants. La littérature aussi nous enseigne et nous renseigne sur ceux qui ont été ces vies. Pense évidemment à Toni Morrison et The Bluest Eye. Cette violence qui continue. James Baldwin, cette violence qui continue après. Enfant de 10 ans, petit garçon de 10 ans, bousculé par des policiers qui le frappent, l'abandonnent dans un terrain vague. Avec des plaisanteries salaces sur ses capacités sexuelles, l'obsession, les mâles, les petits garçons, les adolescents, mâles, les hommes, mâles. La littérature, les autobiographies, ces trajectoires de vie qui nous disent la sensibilité et le quotidien. Et que nous dit le droit ? Deux ou trois choses quand même. Le droit nous parle de culpabilité. Nous savons que la culpabilité individuelle est éteinte. Nous n'avons pas de coupable en face de nous.
Et c'est notre grandeur de savoir et de dire à haute voix que nous n'avons pas de coupable en face de nous. Mais le droit nous parle aussi de l'imputabilité. À qui impute-t-on le crime ? À ceux qui l'ont commis. Et ceux qui l'ont commis, ce sont des appareils d'État. Ce sont des États identifiables, avec des traces, des archives. Parce que nous avons les lettres patentes, nous avons les autorisations, les licences, nous avons les décrets, nous avons les circulaires, nous avons tout. Le droit nous parle aussi de responsabilité. Et la responsabilité n'est pas que dans le passé. Elle est contemporaine. Elle est à la charge de toutes celles, tous ceux qui détiennent un pouvoir d'État aujourd'hui. Toutes celles et tous ceux qui détiennent un pouvoir institutionnel. Elle est à la charge de celles et ceux qui ont à charge des structures, des banques, des académies, des choses très honorables souvent, et qui ont tiré profit de ce commerce, de ce trafic, de cette économie. La responsabilité est donc encore aujourd'hui vive et vivante. Et le droit nous parle de prescription. Il nous dit très clairement, très simplement, les droits nationaux, le droit international, que le crime contre l'humanité est imprescriptible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extinction. Il n'y a pas de délai qui ferme la discussion sur les conséquences de ce crime contre l'humanité. Voilà en substance ce que nous dit le droit, que nous dit la philosophie. Parce que j'ai prétendu qui répare qui du droit à la philosophie. Elle nous dit mille choses, la philosophie. Elle nous dit à travers Ricoeur, Lévinas, Jankélévitch. Elle nous dit aussi, la philosophie, qui nous répare des pensées comme celles de, et des travaux comme ceux de Che Cantadiop, des travaux aussi comme ceux de Louis Salamolens, de la même façon que sur le droit, loin de la froideur, les travaux de Mireille Delmas-Marty nous permettent de comprendre ce que c'est que la négation de l'humanité, y compris chez une seule personne. Et que le crime contre l'humanité peut être établi lorsque la négation de l'humanité, l'expulsion de la famille humaine, toucherait une seule personne. Il y aurait crime contre l'humanité. Mais il est important que nous sachions que la question n'est pas que matérielle. Même si c'est l'aspect matériel et financier qui crée la plus grande panique. Ce qui fait que le principe même de la réparation n'est pas admis sur ce crime-là. C'est qu'il y a une véritable panique sur les questions matérielles et financières. Qui, je le dis, j'ai envie de le dire avec panache, j'ai envie de le dire aussi avec ironie et peut-être avec une légère note de mépris, ça n'est même pas le sujet essentiel. Juste parce que c'est inaccessible. Ça n'est même pas le sujet. Mais qu'ils restent avec leur panique. La réparation demeure un droit. Le crime est irréparable, mais la réparation demeure un droit. La question est d'abord politique, parce qu'elle nous interroge sur la façon dont nous faisons société, la façon dont nous partageons le monde. La question est éthique. C'est-à-dire qu'elle interroge notre rapport, notre de la communauté humaine tout entière, notre rapport à la vérité, notre rapport à la justice. C'est cela qu'interroge le sujet de la réparation. Et la question est ontologique aussi. Elle nous renvoie à notre nature humaine. Et elle nous renvoie à nous en tant qu'êtres de culture. Et nous, c'est encore nous tous, y compris les paniqués, à nous en tant qu'êtres de culture. Mais nous devons nous-mêmes être clairs et savoir ce que nous disons de la réparation, au-delà de ce que j'affirme, que le crime est irréparable, que la seule réparation a été assurée par celles et ceux qui l'ont subi,
mais que le droit à réparation demeure. Nous devons être clairs. Frantz Fanon, qui vous savez est cinglant, y compris les rares fois où il a tort, mais toujours cinglant, Frantz Fanon. Il s'en prenait à Richard Wright, qui est un immense écrivain africain-américain, que Fanon admirait d'ailleurs et que, bon voilà, qu'il a beaucoup énervé, Wright a beaucoup énervé Fanon avec son livre White Man Listen. Fanon disait, il n'y a pas de démarche plus stérile que celle qui consiste pour un opprimé à en appeler au cœur de ses oppresseurs. Et qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où une puissance dominante aurait cessé sa domination parce que l'opprimé, ceux qu'elle écrase, lui sort des objurgations aussi émouvantes et raisonnables soient-elles. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire. Donc soyons clairs, n'en appelons pas à la compassion, n'en appelons pas à la sympathie, soyons clairs nous-mêmes sur la question de la réparation. En clair, nous savons que nous devons rester ensemble. Et pour rester ensemble, il nous faut d'abord nous mettre ensemble. Parce qu'il nous faudra porter ensemble. Porter ensemble toutes les tragédies humaines. Toutes les tragédies humaines. Et elles nous concernent au premier chef. Toutes les tragédies humaines. Faire du passé de l'histoire, c'est notre responsabilité collective. Édouard Glissant nous invite à avoir une vision prophétique du passé. Ça a l'air d'un paradoxe, mais c'est un paradoxe délibéré. Parce que c'est une proposition qui dit en clair, nous n'aurons jamais une connaissance exhaustive du quotidien de ce passé-là, quels que soient les mérites des historiens. Nous ne saurons jamais tout des ravages au quotidien, des endurances, des tristesses, des joies, des résistances. Nous ne saurons jamais tout. Et puis, il y a des choses qui resteront à notre insu, au sens de non-savoir. Parce qu'il y a des choses auxquelles nous n'atteindrons pas. C'était un monde sans intimité, où toute intimité était interdite. No privacy. Toute intimité interdite. Il y a des choses que j'appellerais, moi, le lieu de soi, le lieu de soi-même, qui nous demeurera inaccessible. Et puis, il y a dans cette vision prophétique du passé une intuition de cette créativité qui a irrigué toute cette période, cette longue période, que souvent nous regardons comme des ténèbres infinies et qui, heureusement, n'ont pas été que nuit, que domination, que violence, ont été des moments lumineux d'invention, d'inventivité, de création, de joie. Parce que ces personnes ont vécu au quotidien, ces personnes ont aimé, ces personnes ont chanté, ces personnes ont dansé, même entravé, elles ont dansé parce que c'était la victoire suprême. Alors, je pense à un vers de Darwish, qui est un immense poète palestinien, et qui dit, nous aussi, nous aimons la vie. Quand nous en avons les moyens. Alors la réparation, qui répare qui ? Nous réparons. Nous réparons. Parce que nous nous sommes donné les moyens d'aimer la vie et de vivre la vie. Parce que nous disons que nous avons sublimé le malheur suprême, le malheur total, le malheur absolu. Nous l'avons sublimé. C'est pour ça que je pense profondément, intensément, et je le dis sereinement, je le dis sereinement. Nous sommes des survivants obstinés, opiniâtres, pugnaces, et nous sommes surtout des résilients magnifiques. Magnifiques. C'est ce que nous avons fait de notre vulnérabilité
nous en avons fait un puits d'empathie et une puissance créatrice. Nous sommes donc capables, parce que nous nous sommes déjà réparés, de réparer le monde, de réparer les mondes et de réparer ceux qui sont en panique et ceux qui ont besoin de se réparer.